Les nouveaux stands. Mec, je suis un gosse. J'en trouve, il y a des trucs super intéressants, je passe à côté, mais encore une fois, voilà. Le but, c'est pas eux que je suis venu voir. Ils ont des conceptions autour qui sont. Voilà. Par exemple, moi, ça, tu vois, moi, ça va. Tu mets un peu de fourrure et une tête devant, et je m'arrête, voilà, je fais une vidéo. Celle-là, elle est terrible, vous voyez, avec les tubes et tout. La finition. Il y a un haut-parleur, là. C'est un petit haut-parleur. La finition, elle est incroyable. Vous voyez que les fils et tout comme ça, là, wow, ça fait vraiment un très, très, très joli produit. Hein. Vous avez la configuration, là, pour ceux que ça intéresse. Zone 7. Voilà, bon, je vous laisserai lire au Serpo si vraiment ça vous intéresse. Le produit, il est. Là, en même temps, là, c'est minimaliste. Hein, mais en même temps, vous voyez, vous avez la carte mère avec votre CPU, tout ça. Ok. Là, on a la carte graphique. Ok. Là, on a le refroidissement. Je ne sais pas comment il s'est fait. Enfin bon, après, très intéressant. Et celui-là, alors là, celui-là avec les trucs en métal et tout. Il n'est pas en limitation, hein, c'est, vous voyez, c'est fixe là. Hein. Le tour de magie, il est là. C'est que, en fait, c'est simplement, ils ont soudé les. Mais on a le support, genre Stargate. C'est Stargate, c'est pas des étoiles ça. Ça se trouve, il y a un jeu, tu sais, qu'on reprit le truc et ils ne connaissent même pas. Ben non. La tour, waouh, le boîtier dedans et tout. Vraiment, là, ça je peux kiffer, moi. Ça, c'est le genre de truc. Il est incroyable. Ah, voilà, avec mes mini PC, je fais pas le figure. Très, très sympa, très, très intéressant et tout. Le stand s'appelle Beats Power. Voilà. Ils ont un très joli setup. C'est la moitié du stand. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les configs comme ça. Et puis, bah, voilà. On continue.